Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, on vient de nous réveiller encore avec une triste nouvelle. Le CNRD, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Vous avez tous suivi le communiqué. Vous avez tous suivi le communiqué du procureur général Fallou Doumbouya récemment, que le CNRD, c'est-à-dire le gouvernement, ne savait absolument rien sur l'enlèvement de M. Célestin Bilivogui. Ce matin, le bâtonnier, les membres du conseil de l'ordre de tous les confrères ce matin, l'épouse du client enlevé, Célestin Bilivogui, aujourd'hui, on appelle sa femme et on conduit sa femme. On l'appelle au camp Samouri, puis on la conduit au morgue Ignace Dine où on lui a présenté le corps de son mari. Eh Allah! Eh CNRD! Eh! Non mais le pays là, non, la Guinée, notre pays est foutu à jamais. Eh mon Dieu! C'est ça la refondation. Mamadou Doumbouya, c'est ça la refondation. Idi Amin, c'est ça la refondation. Bala Samoura, c'est ça la refondation. Vous les maudits, vous qui soutenez ces gens-là, c'est ça la refondation. C'est ça votre changement. C'est ça l'état de droit. C'est ce que vous donnez aux Guinéens. Qu'est-ce que M. Bilivogui a fait? Vous appelez sa femme, vous lui présentez, c'est-à-dire son mari. Vous, vous êtes sorti ici, vous ne saviez pas. Eh non mais, est-ce que ces gens-là sont conscients? Fallou Doumbouya s'est flanqué devant le peuple de Guinée ici. Oh, nous ne savions pas où se trouve M. Bilivogui. Maintenant, son corps à la morgue. Vous avez appelé sa femme pour lui présenter son corps. Ils avaient déjà tué tous ces gens-là depuis longtemps. J'ai même peur pour les Fonike Mangé. J'ai même peur pour les Fonike Mangé. Parce qu'ils ont fait le même discours. C'est-à-dire, Fallou a fait le même discours. Non, mais c'est incroyable, la famille. Non, mais ces gens-là, ils n'ont pas de cœur. Le procureur s'est flanqué devant les gens ici. Eux, ils ne savaient pas où se trouvaient. Mais pour donner son corps là, vous saviez où il était. Mfalou, Fallou Doumbouya, son corps pour donner à sa famille. Là, le CNRD, ah non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non mais franchement, je suis dépassé. Je suis encore dépassé. Je suis encore dépassé. Ah Mamadi Doumbouya. Ah non mais Non, c'est dommage pour notre pays. Hein. C'est dommage pour notre pays. Vous avez tout dit ici sur le régime d'Alpha Condé. Mais ce qui se passe là, on n'a pas vu ça. Ce qui se passe aujourd'hui sous le CNRD, au temps du président Alpha Condé, nous n'avons pas vu ça. C'est incroyable. Allons-y seulement. Si vous pensez que les Guinéens, nous sommes des maudits, nous allons nous asseoir et que vous les bandits, vous allez continuer. Aura la Guinée, Kébiri Fara. Allons-y, jusque le 30e de Sam. Oma Kolo dit, fait Tambara Magaru. Womere a enlevé Naki. Et c'est Bala Samoura, les gendarmes qui l'ont enlevé. Bala Samoura. C'est Bala Samoura. Vous mettez des escadrons pour tuer les gens. Ah, ouais. Dit transition, t'as. Abara, comment on appelle? C'est arrivé, Féo. C'est arrivé. La pauvre dame, on l'appelle aujourd'hui de venir au camp. Du camp, on l'envoie. Hey! Et vous, les maudits qui êtes là, on va soutenir des bandits comme ça, là. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Qu'est-ce que Sadiba a fait? Ils sont en train de faire partie tous nos valeureux soldats. Parce que les bandits veulent, parce que ces bandits-là veulent ces voyous-là veulent se maintenir au pouvoir. Des gens qui n'ont rien à faire. Ils vont, oui,
on vient, toi, on ne t'aime pas, il vient t'enlever. Al diwa molu tonyo, ka molu toro, han kaloufoua. Il y a longtemps, le monsieur, c'est son corps qui était là-bas. Il y a longtemps, il était mort. Mais qui sait aussi, les fonike mange. Falara, alara mouma liné. Na bandi modèle, ralou, boru rouma. Qui maintenant va espérer pour les Foniké? Parce que le procureur est sorti ici se flanquer, Fallou Doumbouya, pour parler des quatre là. Ils ont parlé des Foniké, de Bilo, de Billy Vogui et quelqu'un d'autre. Ils ont parlé de ces quatre là. Aujourd'hui, boum, on appelle la femme de l'autre. Voici le corps de ton mari. Il était où? Qui l'a enlevé? Il était avec qui? On ne le dit pas. Quand nous sommes dans un état de droit. J'ai dit au peuple de Guinée, la Guinée, que nous devons oblérer croiser. Dit bandit, gangster. Et Birim Fagamane. Mais allons-y, hein. Vous qui pensez que vous allez tromper le peuple de Guinée pour maintenir ces voyous-là à la tête du pays, là, vous vous trompez. Tout ça, là, voici des signes. Qui va pousser les gens à ne pas accepter que ces voyous-là se maintiennent à la tête du pays. Non. Et avec ça, na imam na figi, les imams, na imam na figi, et tana na mirife, oh, mengeya alanara, et na mere farafe, ota imam na figi, oh, mounandi falama. Nana na démocratie, là. Nana sebeg al Quran akui. Ota imam na figi, oh, mounandi falama. Moulou ma djinankoui. Est-ce que mege tongo? Est-ce que faga? Ota na figi, omu non di falama, ko imami. Omu nya mouya gima. Bore na naki, et présent fakone bana. Na mege fare, même présent fakone rata. Et anan nou mege farama. Na bandie, et anan nou mege farama. Falou Doumbouya, ko je ne sais pas procureur quoi, tu vas sortir encore. Tu vas te flanquer devant les Guinéens pour dire où était M. Billy Vogui. Vous allez nous dire qui avait M. Billy Vogui. Afare de Nerewa Falama Nemerebe. N'a procuré Nafgi. Kofalu Doumbouya. C'est pas lui qui est sorti ici se flanquer pour dire personne ne sait le gouvernement du CNRD. Ils ne savent pas où se trouve M. Billy Vogui. Mais vous avez appelé sa femme aujourd'hui pour aller lui présenter son corps. Où il est mort? Il était où? Anna Minde, ou à partager au cœur ça, du maudit et ma life kana. La Guinée non m'a sigade yare di. Sécurité mundu. Chaque jour, mon rat life kui, mouna na insécurité fait falafébe. Andera mounaki, yame, era meri, abara loue, boum. On t'appelle pour dire, afouré nan naki. Et nyan mou diem a meri ra, autopsie raba. Et t'en as ma tongoma, ah non, sorry nara, moutana lama, mura aragata. Des maudits comme ça là. Des bandits. Mais Bala Samoura, vous êtes le premier responsable. Vous êtes le commandant de la gendarmerie. Donc, tout ce qui est arrivé à Missé Billy Vogui, Bala Samoura, c'est vous qui allez répondre. Moi, je ne vais même pas dire Mamadi. Parce que c'est vous qui avez ordonné. C'est les gendarmes. C'est vous qui commandez les gendarmes. C'est vous qui avez arrêté. Monsieur Billy, tout le monde est témoin de ça. Bala Samoura. Mais a dit qu'elle baigne à Koroya. Bi, akana fokal brawari soro. Kofan, fankami, hé, watile. Seul le pouvoir de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ole te tiena. Non. Vous ne voyez pas que ça, c'est vraiment méchant de la part de ces voyous-là. Hein? Mais la Guinée sort, Odoro. Vous, l'armée guinéenne, asseyez-vous. Des fanfarons comme ça vont venir, c'est-à-dire, et bilin, faranaki. Autant d'or, fanfarons. Bala Samoura est qui? Namre fa, et boro kunakana. Odor, men, la Guinée sorry. Odoro, hein, au bilin adoro, au bilin sigamane kering. Inu garo, di bandi na ora nyoma. On a quelle idée? Odoro, men, o yete fini, makolo, des gens qui ont peur, odoro. Maman m'a dit kolo, n'tambara fala oube depuis le départ. Il faut voir le parcours de Mamadi. Un légionnaire, c'est un mercenaire. Mercenaire Wakolo, mercenaire et Rawali na Nagana. Mamadi Doumbouya Rawali, au Birakolo.
à quelle heure Nanankoui et famille trompée. Monsieur Condé et son enfant à Kindia, Mamadi Doumbouya, et ne faire qu'il y a Naralagine, Kabiri Natorone. Et vous voulez faire la présence à Condé, mais nous avons un coup d'état à Bafé. Arakouya, les bandits, et na, ça, ça faisait partie du préliminaire. Les De Gaulle, les Noutiam, et ne Biri écarté. Au Kal Fayaya, on a vu les jeunes forestiers et Narana Banera. Donc, dit bandier et leur parcours, il faut regarder leur parcours. Que le président Fakonde a été trompé au départ, M. Condé et ses enfants à Kindia. Depuis que sorry, n'a pas fait tout. Mais rien n'a loué fait. Et la Guinée d'or, c'est-à-dire Moudor, voulait faire. Il y a même un affigui des opportunistes. On va garder des bandits, des fauriers comme ça. Bon, personne ne me média Birim Balang. Il faut que Moumanganama, c'est devant la communauté internationale. Il faut que sa famille, les gens portent plainte maintenant. Trop, c'est trop. Comment que le dit Magaro? Comment que le dit Magaro? Ceux qui disent que Konaké, c'est comment qu'on a été à Conakry. Oui, il va rentrer. Parce que lui, c'est un opportuniste. C'est pourquoi moi, je ne réponds même pas. C'est Blackrow qui pense que moi, j'ai le temps de les répondre. Oui, c'est comment Konaté va dire. Lui, il a fait une transition de une année. Il va les soutenir. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'enrichir. Il veut de l'argent. Il veut manger avec eux. Sinon, il devait fermer sa gueule. Il est militaire. Ses amis aujourd'hui, les Sadiba sont partis. Mais c'est des gens qui ne pensent qu'à eux seulement. Ils ne pensent même pas à l'avenir de ce pays. Il n'est qu'à rentrer, c'est son problème. Mais le résultat, il va voir ça demain. Le respect que les gens avaient pour lui, il va voir. Le jour que le bandit va dégager, il va voir. Et dans la Guinée, sorry, sera si bien qu'à fois. Non, moi seulement, mon inquiétude, c'est les Founikiens. Hein. Déjà, vraiment, quand j'ai appris la nouvelle, là, j'ai pensé à Founikié et aux autres. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Déjà que sa femme a vu Abara Fureto, qu'est-ce que nous, on peut faire maintenant? Abara Gefarade. Etana Assour, Bala Samoura, c'est les gendarmes qui l'ont enlevé. Anna Ndeire. Et ce qui est choc, c'est-à-dire ce qui m'énerve dans tout ça, c'est lorsque leur soi-disant procureur Mfalou Doumbouya vient se flanquer devant les Guinéens pour dire que le gouvernement, que personne qui ne sait pas où se trouve le monsieur. Maintenant, le même gouvernement du CNRD, c'est pas un citoyen qui a vu le corps de monsieur Billy Vogui, ce n'est pas dans un pays, ce n'est pas vers la frontière qu'on l'a retrouvé. Mais c'est d'abord au camp. Au camp, on appelle sa femme. Et de là-bas, on conduit la dame à la morgue. Parce qu'il est Tayata Kolo. Allah Ramou Mali, hein? Allah Ramou Mali, Allah Ramou Ba. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils n'ont même pas honte. Lorsque le procureur qui est nommé par Doumbouya, nommé par ce gouvernement, sort pour se flanquer devant les Guinéens pour dire nous ne savions pas où se trouve. Et pendant ce temps, ils savent où se trouvait le monsieur. Parce que tout leur jeu aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé. Tout militaire qu'ils prennent, c'est de pousser les gens. Et ne toro, ne ra, vidéo ndéraba, et rafala, ah, tel m'a contacté, moua ma coup de taraba fera. Comme et pour les CC là, ils nous ont montré. Donc, moi, je vais vous laisser. Franchement, je suis dépassé. Ce pays-là, sous ces voyous-là, je ne vois plus d'espoir. Hein. Espoir, Yomuna. Mbara Falaobe, bandina Nadjira, gangster na Nadjira. N'est-ce pas drogue Tongoma? Mais nous avons drogue Tongoma, de Agl Yomuna. N'est-ce pas drogue Tongoma? Il y a même un imamira. Oh, Mengaya, Mouramou Sabari. Il y a un birim Fakade. Il y a un lonira birim Fakade. Il y a un aglima birim Fakade. Na imam na figue. O madame, o mounon di falama. O garodje yara. O ti ala yara. O non, o tondi. Non di falade. Bonne journée à tout le monde.